Pourquoi les amis, aujourd'hui c'est dimanche, et comme ce dimanche, c'est brocante. Bon, sauf qu'aujourd'hui on est lundi 8, mais bon, c'est pas grave, ça reste un jour férié de brocante. Plusieurs brocantes qu'on a fait depuis, on n'a pas fait de vidéo parce qu'on n'a pas trouvé énormément de choses. Donc là on a tout groupé et je vous présente ce qu'on a trouvé. On va commencer par alors une Nintendo DS Fat. Voilà. Alors je l'ai acheté à 20€. Bon, d'habitude j'achète un peu moins cher, mais là la boîte était en très bon état. Et en plus il y a tous les livrets, etc. Et chose assez rare aussi, le stylet était présent et d'habitude il manque aussi le stylet. Donc bon, ça reste une bonne affaire pour 20€ avec la boîte en très bon état. Après, quelque chose qui n'a rien à voir du tout sur une brocante à moule, une tente quechua 3 personnes à 17€. Bon, vu le prix original de 60€, ça reste aussi une bonne affaire. Après, divers petites choses. Alors, toujours des câbles Nintendo, toujours des câbles pour Game Boy ou pour Game Boy Micro. Un petit adaptateur aussi pour le jeu qui va être le jeu Pokémon Ruby. Et qui permettait en fait de transférer des Pokémon. Une Alim. Alors cette Alim, c'est une Alim de PlayStation. Alors pourquoi l'acheter? Bon, de toute façon, c'est toujours intéressant d'avoir des Alim. Je vous ai dit de consoles, de différentes consoles. Et en plus, à savoir, cette Alim peut être utilisée avec un adaptateur 32X de Mega Drive. Encore une chose qui n'a rien à voir, acheté aujourd'hui du côté de Condette. Donc ça, c'est une... C'est comment dire... d'ailleurs, j'ai perdu complètement le mot. C'est un viseur, voilà, c'est un viseur de carabine à plomb. Il est tout neuf, il est encore dans son emballage, même si l'emballage est un peu abîmé. 2€, ça va être cool. Reste... 3 jeux de Game Boy. Alors il y avait Wario Land, un Schtroumpf et puis Aladdin. Bon, 2€ les 3 jeux. Bon, ça va encore. Il reste à les nettoyer. Et voilà. Donc vous voyez, il n'y a pas énormément de choses actuellement en brocante. Bon, on continue à chercher. De toute façon, comme je dis toujours, c'est l'occasion qui fait le larron. Je vous remercie et puis je vous dis à une prochaine. Ciao !